こ。Bonjour et bienvenue dans ce nouveau NCC. Donc on va continuer nos NCC, notre petit cycle consacré à Dondonpachi Saidai Hojo. Donc cette fois-ci on va s'occuper du mode 1.5. Évidemment c'est un mode exclusif à la Xbox 360 sur la galette. Alors déjà, ce qu'il faut savoir c'est que je vais utiliser le type D, donc le vaisseau Saya, comme vous pouvez voir, le vaisseau rose, enfin mauve plutôt. Donc comment on l'obtient? Dans le mode qu'on avait vu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines pardon, le mode Xbox 360, Saya est débloqué d'office. Or dans le mode Arcade HD ou 1.5, donc celui d'aujourd'hui, il faut l'acheter. Donc en fait vous avez dans les options vous avez une sorte de shop. Donc à chaque fois que vous faites des parties, vous obtenez, un peu de points, de l'argent, et vous pouvez ensuite acheter, plusieurs choses. Donc ça peut être des wallpapers, après ça peut être un vaisseau auto-guidé ou plusieurs autres éléments. Donc honnêtement je sais pas parce que je ne les ai pas tous débloqués vu qu'ils n'étaient pas dans mon intérêt. Mais vous pouvez surtout débloquer donc, le vaisseau type D pour ainsi l'utiliser dans le 1.5, le Arcade HD. Donc c'est le vaisseau qui est le plus cher normalement, donc, je crois que c'est 2000. Et c'est le vaisseau qui est tout à droite. Donc quand vous l'achetez, c'est l'item qui est à droite. On est déjà au bout du niveau 1, je vais juste vous expliquer comment le vaincre assez facilement. Donc boss du niveau 1, vous commencez, vous attaquez direct là-haut à droite sur son bras mécanique. Ensuite vous vous décalez petit à petit à gauche, vous fixez sur lui. Vous essayez, vous voyez là je me suis un peu décalé mais c'est pas très grave. Donc ensuite vous passez à gauche, vous repassez à droite, vous évitez le pattern bleu, les aiguilles, encore bleu, et là vous essayez de fixer ses bras. Là ça va être plus compliqué, pattern déjà bien plus touffu, donc on est juste au boss du niveau 1. Voilà, le bras explose, les deux bras explosent, et dans ce cas là vous avez un bonus, vous avez un hyper supplémentaire. J'ai l'habitude de passer ce boss comme ça, il y a une autre possibilité, c'est soit de claquer un hyper ou de le bomber. J'en ai tout. Donc sur le type D, donc pourquoi avoir choisi le type D? Donc, dans l'optique d'un 1CC, c'est évidemment le plus adapté. Donc c'est le vaisseau qui est le plus puissant, qui possède aussi un hyper absolument monstrueux quand il est au-dessus du niveau 5. Je reviendrai un petit peu sur les hyper un peu plus tard. Ce mode 1.5 a quelques différences avec le mode Arcade HD. Donc ce qu'il faut savoir avant de vous expliquer le run, c'est que moi j'ai commencé par jouer sur ce type, sur 360. J'ai commencé par terminer le mode Arcade HD, qui est évidemment le mode de jeu le plus difficile, et vraiment de loin. Quand je suis passé au mode 1.5, je l'ai trouvé beaucoup plus facile. Alors ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'avais déjà eu le temps d'apprendre, les patterns ennemis, etc. Donc ça m'a bien aidé pour faire ce NCC, surtout pour bien vous expliquer chaque placement, le chemin à prendre, les plus safe, voire les safe spots pour certains boss. Ce qui permet d'avoir un NCC beaucoup plus didactique. Sur le mid-boss du 2, en fait ce pattern-là il est assez compliqué en croisé. Moi je vous conseille de claquer un hyper. Donc voyez mon hyper, il était au niveau 8 je crois. Il est monstrueux avec ce vaisseau-là. Donc ça c'est vraiment une spécificité de ce vaisseau. Mais on retrouvera également des ralentissements supplémentaires quand vous utilisez le vaisseau ce type D, donc Saya. Donc c'est non négligeable pour certains passages, sans quoi sinon il faut soit les faire au skill ou les bombes. Je me suis un petit peu perdu. Avec les différences entre le mode 1.5 et Arcade HD. Donc en 1.5, vous avez plus d'hyper, c'est-à-dire votre jauge d'hyper monte beaucoup plus vite. Et vous avez également, ça c'est plus en termes de scoring, des bonus de score en omis qui sont plus importants. Si vous avez plus d'hyper, vous pouvez faire plus de points. Donc en quoi consiste l'hyper? Dès que vous avez un hyper aux fesses, vous l'utilisez. Ça vous fait un cancel à l'écran. Le cancel, ça permet de vous ménager un chemin. Donc là, on est déjà au boss du stage 2. Alors vous voyez les patterns. Donc ils sont évidemment beaucoup plus serrés que dans le monde Xbox 360. Donc là, vous aurez exactement les mêmes patterns en mode Arcade HD. Je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure j'ai détruit, je laisse tourner la bombe en fait pour la prendre au dernier moment. Donc là je me retrouve coincé sur le côté, je claque un hyper. La bombe va revenir, au moment où elle revient, je vais claquer une bombe en manuel et récupérer ma bombe. Ce qui me donne mes bombes maximum qui sont au nombre de 3 quand vous avez la première vie. Ce qui vous octroie également un bonus en termes de scoring.
Donc ce boss se passe assez facilement si on utilise un hyper et une bombe au bon moment. Donc dans ce titre qui est considéré comme un des plus difficiles caves, donc pas forcément dans ce mode de jeu mais dans le titre en général, les patterns sont vraiment très ardus, croisés, les masses de collision des boulettes sont beaucoup plus importantes que d'habitude, surtout pour les patterns. Donc il va falloir un certain timing, un rythme, surtout dans la gestion de vos hyper et de vos bombes. Donc là je suis en mode autobombe. Donc ce qui va me permettre d'une part de prendre un peu plus de risques pour essayer de franchir plus de patterns et donc pour essayer de vous montrer quelques sorties des patterns. Et bon, bien sûr, ça vous sauve vu que c'est automatique. Néanmoins, si vous utilisez une autobombe, bah, du coup, perdez toutes vos bombes d'un coup. Forcément, il y a un revers à la médaille d'utilisation. On est déjà au niveau du stage 3. Donc là, il y a déjà beaucoup d'apprentissage. Donc il faut bien vous décaler à partir de ce moment où vous décalez à droite. Ensuite vous repartez de l'autre côté et là hop vous redécalez petit à petit à droite. Ensuite vous mettez bien à gauche, vous descendez un petit peu, là vous repartez à droite et à gauche. Alors je sais que ça va être un petit peu complexe, moi je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien connaître les chemins. Certains sont très safe comme celui-là par exemple, d'autres beaucoup plus compliqués, mais quand ils sont safe, honnêtement, si vous voulez faire un 1xCC, c'est sympa de les reproduire. Donc ça, ces espèces de vaisseaux, ils vous font comme ça à l'écran. Donc là, c'est pareil, oui, il y a vraiment beaucoup de boulettes. Tout de suite, on est au milieu du stage 3. C'est déjà rempli l'écran, donc c'est tout à fait normal. Le titre est fait ainsi. Donc sur le côté, vous avez les énormes tourelles qui vont vous faire des cancels. Donc le mid-boss du stage 3, la première difficulté du jeu, il va falloir absolument bien gérer ces tourelles qui permettent le cancel. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de tirs. Les grosses boulettes sont facilement esquivables, les patterns en aiguille, il faut faire un peu plus attention et éviter de les frôler. Donc là vous voyez, je vais me retrouver coincé, je claque un hyper. J'ai déjà débloqué la première extend qui est à 15 millions. Là, vous aurez deux extends dans le jeu, plus une supplémentaire que je vais malheureusement pas prendre. Donc on va voir ça après. Donc là, l'hyper, vous continuez, vous êtes tranquille. Passer encore à droite sur la tourelle. Donc il faut absolument bien connaître les emplacements des tourelles. Donc là je suis obligé de naviguer un peu parce que je me suis raté sur la tourelle. Donc pour passer ce mid boss là, et vous avez la dernière partie du mid boss qui va être le pattern le plus compliqué. Donc dans ce cas là moi je vous conseille soit d'avoir de claquer un hyper ou si vous n'avez pas de faire comme ça, de claquer une énorme bombe. Vous voyez la bombe du type D, ça remplit tout l'écran, c'est gigantesque. C'est très sympa. Voilà pour le mid boss de stage 3. Ensuite des yeux droite gauche. Alors il y a beaucoup d'ennemis popcorn à Side Day. C'est affreux, certains niveaux ils sont remplis d'ennemis popcorn. Donc vous pouvez absolument pas relâcher votre attention un instant. Sinon vous perdez une vie. Bon là, ouais, là en autobombe évidemment vous perdez vos bombes. Mais c'est vraiment. Il faut être concentré absolument. Donc c'est pour ça que ce titre est assez difficile à prendre en main. Tant que c'est le dernier check, on se rend bien compte de l'effort qu'ils ont fait également au niveau du level design. Qui est très adapté, vous avez plusieurs types de chemins, moi je vous en montre un, mais vous avez beaucoup de possibilités de sortie en fonction du timing que vous utilisez, vos hyper ou vos bombes. Donc c'est très bien fait, vous vous sentirez quelquefois submergé, mais il y a toujours une sortie dans ce titre. Alors des fois il est un peu plus difficile de l'avoir, mais il y en a toujours. Après vous avez toujours les abeilles à collecter, qui vous donnent un hyper supplémentaire quand vous avez collecté toutes les abeilles d'un niveau. Donc, vous voyez, je suis en rank 6. Donc mon but évidemment dans le type d'un OTC, c'est de ne pas faire trop évoluer mon rank et de claquer des bombes pour le faire baisser. Parce que même en mode 1.5, si vous augmentez le rank trop, ça va devenir ingérable. Donc ce passage là, il faut absolument connaître, c'est d'abord le vaisseau droite-gauche, ensuite droite-gauche. Parce que les gros, si vous les laissez tirer là, vous allez voir, je vais les laisser tirer un petit peu, voilà, ils commencent à remplir l'écran. Sauf que quand les deux sont dans l'écran en même temps, c'est le carnage. Troisième boss, déjà, ça va très vite. Celui-là a une tactique très simple et efficace à tous les coups. Vous commencez à vous placer ici, vous décalez un petit peu, le pattern est assez simple, vous voyez, il y a de l'espace. Vous continuez à naviguer tranquillement. Cela c'est facile, vous décalez un peu sur le côté. Donc celui-là est un peu plus compliqué, donc normalement vous pouvez le passer. Hein. Mais moi je préfère claquer un hyper. Donc ensuite après ben, claquer une bombe, et quand vous claquez une bombe vous avez un temps d'invulnérabilité, ce qui est exact aussi quand vous mourrez. Donc du coup vous en profitez pour coller le boss avec votre aura
rechargez plus vite votre barre de typer. Donc là voilà, j'ai un hyper en stock au cas où, donc je le claque par sécurité, vous voyez, parce qu'il y a pas mal de tirs croisés, ça me permet de faire un cancel et de voir un peu plus clair. Dernier partie du troisième boss, donc soit vous avez conservé l'hyper, ou soit vous balancez une bombe. Après c'est un petit peu compliqué à le passer, vous allez voir, il est très touffu surtout à la fin. C'est un petit peu compliqué de le passer au skill, donc si vous voulez juste terminer le jeu et pas le scorer, je vous conseille vraiment de soit la bombe ou l'hyper. Donc la deuxième extincte, elle viendra à 3,5 millions, donc vous voyez qu'au début du quatrième niveau, si vous êtes bien débrouillé, vous avez déjà les deux extincts. Toujours les filles qui parlent tout le temps, je les ai laissées. Alors du coup, là vous commencez, vous faites du bailliage gauche-droite et l'inverse ensuite. Il faut absolument connaître l'apparition des ennemis clés dans ce Saga Yojo. Parce que sinon vous allez vite vous faire déborder. Donc cet ennemi là vous collez bien sur la gauche, vous passez largement de l'espace. Tous ces ennemis popcorn. Donc évidemment il y a beaucoup d'entraînement. Même le mode 1.5 vous le finirez pas comme ça. Donc moi je vous déconseille fortement de commencer par le mode Xbox 360, celui qu'on avait vu la dernière fois avec Dedai, parce que les patterns sont beaucoup trop simplifiés et quand vous allez passer soit en arcade HD ou en 1.5, vous n'allez pas comprendre tel écart de difficulté. Donc après si vous voulez terminer le jeu, pour un bon début également, je trouve que le 1.5 est pas mal, surtout avec le type D, étant donné ses avantages offensifs, ça permet de bien se faire à l'idée des patterns et de bien commencer à les apprendre. Tard peut-être essayer de se frotter au arcade HD, au mode arcade HD. Vous voyez, ce passage-là, il est très compliqué, sauf claquer un hyper une bombe. Donc ça, c'est ce mid-boss-là. Pour avoir l'extinct, il faut ne pas claquer de bombe. Donc là, je suis en autobombe. Donc malheureusement, si jamais je me fais toucher, bah, je vais prendre une médaille. Donc là, honnêtement, c'est un des extincts les plus durs à obtenir chez Kayo. Peut-être avec celui de Ketsui, qui est pas facile. Le bateau du niveau 3, mais vous voyez, il faut se coller là. Alors là, vous coulez exactement ici pour passer le pattern pour recharger votre aura. Et là, je vais faire une petite bêtise exactement à ce moment précis. Vous voyez, j'ai passé les patterns les plus difficiles et je me suis mal placé sur son dernière attaque. Du coup, autobombe, et évidemment, j'ai perdu mon one-up parce qu'il n'apparaît pas si on bombe ou on autobombe. Donc, je vous dis, elle est très difficile à obtenir cette extinct. Il faut vraiment beaucoup bosser ce passage-là. Alors, vous allez voir que j'en aurais pas du tout besoin pour finir le mode 1.5. Donc, c'est largement faisable dans le mode 1.5 si vous débloquez pas l'extinct. Donc, là, pareil, des ennemis popcorn. Ça continue, vous dégalez bien, vous faites du bullet herding. Là, vous passez bien de l'autre côté. Vous n'oubliez surtout pas, sinon vous faites coincer. Donc, j'utilise beaucoup le shot pour pouvoir être beaucoup plus mobile et bien décaler les patterns ennemis et les boulettes. Alors après c'est évidemment pas du tout, pratique pour scorer, mais bon là c'est vraiment pas le but. Donc là j'ai un hyper aux fesses, donc je suis assez en sécurité. Donc là absolument se décaler à gauche pour détruire ce distributeur de chrono, ensuite petit à petit faire du bullet herding, vous voyez le jeu rame un petit peu avec ce vaisseau là. Donc là on se recale à droite et on fait l'inverse, on va à gauche. Là ça devait passer, j'ai claqué un hyper par sécurité. Alors ce qui est ah oui, alors là ce machin là, vous voyez, vous avez le passage exactement ici. Donc là pareil, vous faites attention, vous décalez bien. Donc là évidemment, je suis limite de me faire coincer parce que j'ai mauvais timing. Donc là, l'ennemi revient, il va vous envoyer une pelletée de boulettes. Là, pareil, ça passe grâce au ralentissement quand vous utilisez le type D. Sinon, c'est beaucoup plus rapide et généralement, ça sent l'autobomb. Donc là, je suis passé tout juste. Et vous voyez, ça ralentit. Donc vous avez largement l'espace pour passer et le temps d'anticiper un couloir de survie. Le boss 4, donc ses premiers patterns sont affreux, dégoûtants, tout ce que vous voulez. Donc du coup, personnellement, je ne l'ai pas jamais, sauf soit à claquer un hyper ou une bombe. J'ai pas réussi à trouver de sortie sur ces patterns. Voilà ce qui va se passer, je vais mourir tout de suite. Alors après, évidemment, avec l'invincibilité quand vous faites le respawn, vous collez bien au boss. Ensuite, vous claquez l'hyper, vous décalez sur le côté gauche, vous passez en shot, et là vous décalez petit à petit. Voilà. Là, ce pattern n'a pas facile si vous le prenez mal. Donc, claquer une bombe. Ici on se décale bien.
pattern assez lisible, vous voyez les couloirs de la survie qui étaient bien, bien expliqués. Donc là, vous décalez entre ces deux boulettes là. Ensuite, là, vous faites un peu de décalage. Donc j'ai préféré claquer une bombe par sécurité, mais normalement ça passe. Donc ce pattern là, vous vous mettez exactement ici, c'est très précis. Et là, vous décalez petit à petit. Alors c'est au pixel près, c'est un coup à prendre, mais après vous êtes en sécurité. Donc ça marchera pas forcément à tous les coups. Mais au pire, vous claquez une bombe. Donc là, j'ai un hyper en réserve, vous voyez, je suis en train de me faire coincer sur le côté. Hop, je me décale petit à petit, je me mets bien au milieu pour éviter les patterns en aiguille. Dernier pattern du boss, le plus simple. Donc là, le but, ça va être de se coller sans se faire détruire aux espèces de pods là, pour pouvoir recharger les hyper. Vous allez voir, je vais recharger mon hyper très très vite. Hop, je me colle, il y a plein de boulettes, safe spot, et boum. Donc là on est déjà au niveau 5, donc le plus long du jeu, et le plus difficile avec ces demi-boss. Donc c'est parti. Alors le début, direct, vous vous mettez en shot, bien vous décaler. Là vous faites attention, vous commencez par l'envoyeur de chrono du côté gauche et après celui du côté droit pour avoir la petite sortie. Donc ces trucs là, ces ennemis sont pas faciles puisqu'ils vous envoient des patterns en aiguille et des boules. Donc il faut essayer de les prendre le plus haut possible. C'est pour ça que vous voyez que je joue sur l'écran, je joue pas tout en bas. Pour avoir le temps de me décaler en arrière si je vois pas de sortie. Donc là pareil, vous décalez, vous voyez ça ralentit un petit peu. Là vous faites attention, passez entre le couloir. Ensuite ici vous détruisez bien tous les petits ennemis parce qu'ensuite vous allez avoir celui-là qui se fait assez facilement dans ce mode de jeu. Donc là pareil, attention, ça va être l'inverse du début. Donc commencez par celui de droite et ensuite celui de gauche. Là pareil, vous montez bien sur l'écran pour bien détruire, en anticiper les envoyeurs de pruneaux. Donc là pareil, le couloir, vous le voyez. Faites attention. Toujours être attentif. Pareil, vous décalez, vous voyez, hop. Là j'ai des hyper, deux hyper, donc tout va bien pour l'instant. Donc là, vous, peu importe la tourelle l'ordre que vous détruisez, mais vous pouvez bien en détruire une des deux. Vous passez sur un côté, parce que si vous avez encore les deux à l'écran, ça va être compliqué. Donc là, on voit absolument plus rien. Normalement, il ne faut pas du tout se placer ici si vous voulez passer sans paquet d'hyper. On va dire que c'est une grosse prise de risque. Donc là, vous décalez bien. Et là, c'est l'inverse, donc vous décalez encore. Vous voyez, c'est millimétré, mais en fait, vous n'allez pas être touché par les patterns de cet ennemi-là, parce que c'est à ce moment-là où il y a la distorsion d'écran pour une boss. Donc là, là vous placez là, vous naviguez, vous voyez, vous avez l'espace du droit de gauche et ça passe. Ce pattern-là, je l'ai très mal pris. Normalement, vous avez moyen de le passer sans taquet d'hyper, en vous décalant petit à petit. Donc du coup, je me retrouve coincé sur le pattern suivant, qui est très difficile à passer. Donc, du coup, je suis obligé de claquer un autre coup. Et ici, je vais un peu paniquer, vous voyez, je vais aller dans le côté, c'est exactement pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, du coup, je me retrouve avec la boulette la plus grosse que je prends, parce que j'ai un petit peu paniqué, voilà. Mais ça me fait perdre une vie, mais c'est pas très grave, parce que vous allez voir à la fin, ça va être large. Donc là, vous montez bien encore en haut de l'écran, pour bien pouvoir anticiper les ennemis. Donc le deuxième mid-boss, là vous décalez, vous décalez, vous décalez. Là vous pouvez claquer l'hyper un petit peu plus tard, ce qui vous permet d'éviter la fin des aiguilles du pattern. Là, vous décalez petit à petit à chaque fois, droite, droite, droite. Et ça va passer, l'ennemi va te détruire avant, surtout avec l'hyper du vaisseau en type D, vu qu'il est plus puissant, ça va détruire plus vite ce niveau là. Donc là vous remontez, vous continuez, pareil, vous restez pas en bas, vous essayez surtout pas. Je vais remonter, je vais essayer de remonter, mais là je me trouve un peu bloqué, vous voyez. Donc je suis obligé de naviguer, mais normalement il ne faut pas se laisser bloquer. Le troisième mid-boss, celui-là qui se passe assez facilement dès qu'on a un hyper. Donc là vous faites attention des décalages, ça devait passer. Néanmoins par sécurité je claque mon hyper. Le mid-boss n'a pas fait long feu. Donc là on continue, vous aurez toujours, vous restez pas collé au fond de l'écran, surtout pas, vous laissez une petite marche pour vous reculer. Continue, la boss, hop, la bombe, pardon. Donc, évidemment vous foncez surtout pas dessus. Parce que ce passage-là, en fait, les ennemis ils envoient direct des patterns et des boulettes assez hautes. Donc vous attendez que la bombe vienne à vous. Là, ça sert à rien de jouer le KI, le fond de jeu, tout ce que vous voulez. Vous avez plus de chances de perdre, de claquer l'autobombe. Donc là, je claque une bombe manuelle parce que je me sentais coincé. Et surtout, j'ai fait tourner la bombe. Donc du
coup, dans tous les cas, je récupère, je suis au max au niveau des bombes, donc j'avais le temps pour la claquer. Donc là, c'était un ennemi pas facile, il fallait exactement se placer ici. Je vous invite à regarder de nouveau le placement. Donc là, vous faites attention, normalement, c'est pour passer sans hyper, mais c'est pas évident. Donc là, les gros ennemis, donc c'est là où on peut faire du refill, c'est-à-dire recharger sa barre d'hyper au maximum très vite pour les scoreurs, et faire beaucoup de cancel, mais il faut néanmoins quand même connaître l'emplacement de ces gros ennemis. Pour pouvoir faire le cancel, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué par les ennemis popcorn. Donc vous voyez par exemple là, il faut absolument savoir qu'il faut aller à droite et qu'il fallait pas rester à gauche dans les ennemis. Donc là je me suis mal placé, pas de problème, en hyper. L'ennemi là il est facile à trouver, là il va être en haut à droite. Et là je vous ai dit, je vais vous parler le refill. Donc mon hyper a terminé pile au moment où, où j'ai détruit l'ennemi, donc ce qui fait que j'ai obtenu 3 hyper d'un seul coup. Donc le timing est pas facile à prendre, on va dire qu'il est même plutôt très difficile à prendre, c'est surtout pour scorer. Donc, quelquefois comme là, bah, vous pouvez réussir à avoir le timing, ça vous permet d'avoir des hyper supplémentaires. Donc c'est pas en survie de tenter de faire du refill, c'est pas évident, c'est pas très facile. Donc là j'ai un petit peu chaud, mais c'est passé. Là on repart, au deuxième cycle. La fin du stage, vous voyez, hop, j'ai toujours un hyper aux fesses. Tout va bien. L'ennemi ici, cette fois-ci, est passé au centre. Ensuite, vous vous décalez bien à droite. Voilà, claquez votre hyper. Donc cet ennemi-là, pas facile. Je me suis mal placé. Il faut plutôt l'envisager d'éviter le pattern par la gauche. Tant pis, je claque. Je commence avec les gros ennemis. Là, vous vous décalez bien. Vous en avez deux en même temps, donc vous choisissez un des deux, vous restez bien évidemment bloqué dessus. Vous faites un peu de passage avec le ralentissement, ça passe. Donc là, les deux ont été détruits en même temps. Au mauvais timing, vous voyez, ça m'a pas du tout chargé ma barre d'hyper. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Donc ça va passer, hop. On continue. Tout va bien. Toujours les pouvoirs du survie. Cet ennemi là, celui-là, quand il est tout seul ça va. Donc vous décalez petit à petit. Là le deuxième arrive, donc je préfère en anticiper, claquer la bombe. C'est inutile de jouer le risque, surtout que j'avais une bombe en stock. Alors j'aurais pu prendre un peu de risque, puisque j'étais en autobombe. Il faut savoir qu'en autobombe la bombe est moins longue, donc elle est moins puissante. Donc j'ai préféré la claquer par anticipation. Donc ce passage là en fait vous êtes bien attentif, quand vous avez l'hyper vous êtes en sécurité, donc vous remontez, regardez, hop, là je suis coincé hyper, je me mets directement de l'autre côté de l'écran pour avoir le temps d'attirer les boulettes à moi. Là pareil, vous restez très mobile. Donc ce passage là pas très facile, mais qui ralentit pas mal dans ce mode de jeu avec ce vaisseau là. Donc là vous faites attention à ceux-là, vous essayez pas tous de les détruire, il faut détruire ceux qui sont en face de vous. J'ai de l'espace. Donc on arrive déjà au boss final, 2 vies, une bombe. Donc du coup j'ai pas mal de marge, je vais essayer de vous montrer comment passer quelques patterns. Donc, on va commencer, le début est assez coton. Ah, vous avez ces espèces de pod. Donc ça permet de recharger plus vite les hyper qu'on vous coller dessus. Donc là le premier pattern en aiguille, il est croisé, il est affreux. Je claque une bombe. Là je monte directement sur les bras mécaniques du boss pour essayer de recharger l'hyper le plus vite possible. Donc là j'ai pas d'hyper, il va falloir naviguer, boum, direct je suis mort. Donc c'est pas grave, on continue, on a un hyper en stock, puisque j'ai bien collé le bras. Donc dès que je vais être pas me sentir en sécurité, je vais claquer l'hyper, c'est-à-dire à ce moment précis. Vous voyez, il y a un petit peu d'espace, ça passe. Là je sens que ça va pas passer, je claque mon manuel. Et direct je remonte encore vers le bras du boss pour essayer de récupérer un hyper gratos. Donc là, c'est passé vraiment limite. J'ai eu chaud quoi. Donc là, vous vous décalez bien. Le boss va pas tarder. Donc le dernier pattern de cette première forme du boss. Donc j'ai claqué un hyper. Vous voyez, vous naviguez et c'est bon. Donc là, il vous faudra beaucoup de lectures sur les patterns qui vont arriver. Mais ça s'apprend. Donc il faut l'entraînement, mais ça passe. Donc là, au début, vous naviguez bien de gauche à droite. Donc celui-là, il est affreux. Je vous conseille de claquer une bombe ou un hyper. Après, si vous êtes apte à passer, bah, tant mieux, mais je trouve qu'il est très difficile. Donc là, vous décalez, c'est de plus en plus rapide, faut faire attention. Vous décalez bien gauche-droite, gauche-droite.
histoire du timing. Ici, là, vous décalez petit à petit, vous précisément ici, vous vous mettez. Voilà, vous passez le pattern comme ça. Donc, quoi prendre. Donc, là, pareil, vous collez bien, vous décalez petit à petit, vous voyez, le pattern y passe. Sur celui-là, vous suivez le boss. Et normalement, il faut, à partir d'un moment, il faut passer de l'autre côté. Donc, moi, par sécurité, je le passe de l'autre côté en claquant une bombe. Donc, vous pouvez aussi le faire sans bombe. Ce pattern là, vous montez vite là-haut, et là vous avez un passage, vous voyez, tac, il est juste ici. Ensuite là, celui-là est dégueulasse, donc du coup vous claquez un hyper ou une bombe pour pouvoir vous ménager une sortie quand vous redescendez en bas. Donc là, le mur il est très sympa, il est pas très compliqué au final, parce que vous voyez, ça ralentit beaucoup, donc vous avez largement le temps de vous décaler. Donc tant que vous n'avez pas les patterns qui sont derrière vous, qui viennent, ça va. Donc dès que vous sentez que vous avez les patterns qui vous collent aux fesses, ceux qui remontent, bah là vous claquez un hyper. Comme ça va aller plus vite, ça va être trop vite le boss. Donc, vous voyez là, je commence à me retrouver coincé, ça passe limite. Du coup j'arrive à me décaler, j'avais plus de bombe, il fallait tenter de toute façon. Et dernier pattern du boss. Donc celui-là c'est bien d'avoir un hyper, vous voyez que ça va pas suffire. Donc là le début est simple. Voilà, et là, à partir de là, il faut essayer d'orienter. Là, je claque un hyper et j'aurais dû me placer tout à gauche pour me décaler petit à petit, ce que j'ai pas fait. Du coup, je perds une vie. Mais vous voyez qu'il me reste, donc je le finis, il me reste encore 3 bombes. Donc il y a vraiment beaucoup de marge. Donc ce qui ouvre aussi des possibilités de scoring, si vous jouez que ça. Bon. Donc voilà, c'est déjà terminé sur ce Donpachi Side.io Ojo mode 1.5 avec le vaisseau type D. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également Tonton et surtout Babouliné. Donc en fait, il faut savoir que c'était entre guillemets, je suis pas un très grand spécialiste des montages vidéo. Donc il m'a beaucoup aidé, filé beaucoup de coups de main pour essayer de vous faire un truc assez propre. Alors je m'excuse par avance si c'est pas le cas, mais j'ai vraiment fait mon possible. Pour faire une bonne acquisition, pour bien encoder la vidéo, pour faire un bon montage. Donc voilà. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour la fin du cycle sur Donpachi avec le mode arcade HD. Allez, ciao, bye bye!